Le voilier de 11 mètres semble abandonné sur ce quai de Bordeaux. Anonyme en France, le relais a connu son heure de gloire en Angleterre. Alain Catrineau, son propriétaire de 76 ans, a la démarche moins assurée aujourd'hui, mais toujours le pied marin. La course du Fastnet, à précise édition par Petit Temps, promet d'être vantée ce samedi 11 août 1979, jour du départ. C'est en fait une tempête que vont affronter les 302 bateaux engagés. Un vent de force 8 à 9 surprend les concurrents en pleine nuit. La mer était très mauvaise, avec de gros creux et des vagues déferlantes. Un anémomètre s'est bloqué à 65 nœuds. On a eu 6-7 heures intenses. Le bateau s'est couché au moins 4 fois, je crois, sans voile, sans rien. Comme ça, chaque le mât dans l'eau et est revenu. La nuit vire au tragique. Des feux de détresse sont lancés de toutes parts. Le relais se déroule sur l'un d'eux. 7 marins anglais ont trouvé refuge sur un radeau de survie. Leur bateau, le Griffin, a sombré. On est passé à côté d'eux. Il y en a un qui s'est jeté à l'eau pour nous attraper, mais c'était la folie. Et après, on a fait baisser la voile. Et j'ai mis les moteurs en route. Et on a essayé de virer de bord pour revenir vers eux. Et là, on a mis plus d'une heure, une heure et demie. Et heureusement, il y a un équipier qui a lancé un bout qu'ils ont attrapé. Et ils sont venus se mettre à couple de nous. Et là, ils sont montés, ils ont commencé à monter, mais un peu la pagaille. Le radeau est perdu. 3 hommes accrochés au bastingage restent à sauver. Ils tenaient ici, là. 1, 2, 3. Et les deux derniers sont arrivés par le ciel parce que, comme le bateau se couchait, eux flottaient un peu plus, on pouvait mieux les agripper. Mais après, avec l'incidence de la vague de l'autre côté, on penchait violemment de l'autre côté et ils passaient par-dessus les filières et ils nous tombaient dessus. L'édition de 1979 est à ce jour la course la plus endeuillée de l'histoire de la voile. 7 hélicoptères de la Navy, 4000 personnes ont pris part à la plus grande opération de sauvetage en mer par temps de paix. À cette heure-ci, on déplore 15 morts, 136 rescapés, 23 bateaux coulés ou abandonnés. 88 bateaux ont maintenant terminé la course. Il y en a encore 30 en mer qui sont toujours en course ou qui reviennent sans problème particulier. Voilà la photo d'équipage. Sans Alain Catrineau, l'équipage du Griffin s'ajouterait aux 18 disparus, le bilan définitif. Pour sa bravoure, le skipper bordelais a été sacré meilleur marin de l'année, une première pour un Français, et un célèbre peintre anglais a immortalisé la scène. Il n'y a qu'une faute. C'est que là, j'ai la barbe et je m'étais rasé à la veille de la course. Le marin mettra des années avant de raconter cette histoire à ses filles, puis de les embarquer 5 fois de suite sur cette course mythique. Je pense que c'est quelqu'un qui est discret, qui est humble et qui... Ça me fait rire. Qui a gardé ça pour lui pendant un moment. Peut-être que c'était douloureux aussi. Le transfert avec l'Irlande ou avec... L'Angleterre. Quand on quitte les Scilly et qu'on va vers le Fastnet, on a une sacrée tempête. Et là, pour nous, c'était le premier. Et je me dis, oh, ça y est, c'est reparti, comme en 79. On est foutus. Cette course, en fait, c'est une belle expérience de vie. Alain Catrineau va remettre à flot sa fidèle Lorelai. 42 ans après le sauvetage des marins de Sa Majesté, l'histoire commune du skipper et de son voilier continue de s'écrire.